Aussi, on a parlé tout à l'heure Monaco Télécom. J'ai été informé personnellement des tractations sur Monaco Télécom il y a 2 mois, à titre personnel, et pour des raisons de confidentialité, parce qu'il y avait des cours de bourse en cause, je n'ai pas pu et je n'en ai parlé à aucun de mes élus. Et ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que Monaco Télécom a été racheté par un grand industriel français, un grand professionnel. Au-delà du projet industriel et du projet humain que nous voulons développer et que nous voulons qu'il profite à Monaco pour que Monaco devienne une véritable niche sur le plan des nouvelles technologies, un peu comme Palo Alto en Californie, et on doit arriver à cela, je voudrais que ce soir, officiellement, soit lancé un plan de partenariat sur le plan numérique entre Monaco Télécom et l'éducation nationale pour que l'ensemble des enfants scolarisés à Monaco puissent bénéficier des méthodes de pédagogie, notamment de Xavier Niel et de ses équipes à Paris. J'en ai parlé avec lui en présence du ministre d'État et je vous demande d'être porter ce message partout à Monaco auprès des familles pour que ça soit une chose tangible dans les mois qui viennent et nous nous y emploierons.